essayer, regardez juste, vous allez essayer tout doucement là de venir vous mettre dans cette position là. Essayez de voir si vous y arrivez. Juste, on va rester comme ça. Donc là, pour ceux qui peuvent, on va même poser le talon au sol. Alors là, vous allez peut-être avoir des étirements ici dans la jambe. Si c'est un peu trop dur, vous pliez un peu la jambe au début. Et sinon, vous essayez de la tendre et juste de rester comme ça, un petit peu. Après, on va passer sur l'autre jambe. Voilà, il y en a qui arrivent, je vois. Là, on respire bien. Là, on étire les adducteurs, muscles des mollets. Essayez de faire en sorte que votre pied, il regarde le plafond, comme ça, en même temps, ça étire le mollet ici. Voilà. On passe sur l'autre jambe, on va s'étirer tout doucement ici. Et après, quand on sera un peu étiré, on va essayer de passer d'une jambe sur l'autre, un peu plus de manière dynamique là. On respire bien quand on s'étire. On reste. Et maintenant, on va pivoter et faire une fente ici de face. Vous voyez là, on va étirer ici en dessous les ischio-jambiers là. Sur cette jambe-là, j'étire l'ischio. Sur celle-là, j'étire le quadriceps là. Donc là, on essaye de se redresser un peu si on peut. Comme ça, ça... Et là, vous voyez, il faut que votre hanche, elle aille vers le bas. On souffle bien. Voilà. On va repasser en face. Voilà. On souffle. On repasse de l'autre côté. Et on pivote. Devant. Et là, on essaye de se redresser si on peut. On tient l'équilibre. Voilà. Donc là, on va faire ce petit enchaînement de 4 mouvements l'un derrière l'autre. Donc on part. On commence. Ici. On reste. 3 secondes. Hop. De l'autre côté. 3 secondes. Hop. Devant. On tient. On revient de face. Il y en a qui doivent avoir... Ça doit tirer un peu, hein. J'imagine pour certains. On a changé de côté. Et on rebascule devant. Ok. On se calme un petit peu sur... on va doucement là, vous. Juste, vous tenez les pointes. Je vais y arriver. Les chevilles ici. Vous respirez un peu. Ça, c'est des étirements passifs. Ça veut dire qu'on laisse juste le corps tomber. Sinon, on peut s'étirer aussi de manière un peu plus dynamique. Là, vous mettez ici, vous faites des battements de jambes, là. Un peu dynamique, pas trop haut au début. Vous n'êtes pas beaucoup échauffé. Essayez de ne pas appuyer la jambe. Là, en même temps, vous travaillez, vous commencez à travailler les abdos, là. Donc, essayez de ne pas appuyer la jambe. On souffle bien, on change de jambe, voilà, là on commence à étirer un petit peu plus, on se redresse, allez on essaye d'aller un peu devant en écartant les jambes, et on souffle, voilà on assiste un petit peu, on essaye d'aller un peu sur le côté ici, faut pas que vos jambes soient pliées comme ça, donc essayez de bien tendre les jambes. On souffle. On repasse devant. Et on repasse sur le côté. Voilà. On va faire étirement du dos. Là, comment on s'étire le dos, vous le savez, j'en suis sûre. On va faire des culbutos. Et on va remonter sur ses pieds à chaque fois. Donc là, vous essayez de toucher derrière. Hop. Et vous remontez. Et ça, ça fait travailler aussi les abdos. Alors là, vous le faites à votre rythme. On essaye d'en faire une dizaine. Donc là, et ceux qui sont souples, vous pouvez même garder les jambes tendues derrière. Là, hop, je touche le mur. Et on remonte. Ah, on touche par terre. Deux. Oups là. Ramenez vos talons vers vos fesses vite. Revenir sur les talons. 4, 5, là vous essayez
allez bien, hop, remontez là, hop, encore 5, allez-y. Encore 1, cette fois on va remonter jusque debout, ici, hop, et on se remet debout. Ok, vous me faites 10 fois ça, on a fait l'autre jour, et là on enchaîne, tout le monde me voit bien. Donc, on touche, chandelle, on touche derrière, chandelle, on monte, on saute. Je vous le refais. Si vous avez compris, vous pouvez commencer. Donc, ici, je touche mes pieds, chandelle, je touche derrière, chandelle, je remonte, je saute. Allez, on fait ça pendant une bonne minute. Je vais faire avec vous. La dernière, on va la faire ensemble, on va s'appliquer, on va la faire doucement. Remettez-vous assis par terre. Là, on va déjà bien s'étirer vers le haut, là. On souffle, on essaie de se grandir. On va aller chercher le plus loin possible devant. On respire bien, on reste. On essaie d'avoir les jambes tendues. Ça étire le bas du dos, ça. C'est pas mal quand on a des douleurs au dos. Vous le direz à vos parents parce que vous ne devez pas encore avoir mal au dos. Ensuite, on s'applique pour aller faire une belle chandelle. Là, ceux qui n'arrivent pas, poussez bien votre dos avec vos mains. Serrez vos fesses et vos jambes. On descend doucement les jambes derrière. On peut rester un peu. Ça étire le dos là. Là, tout là. Et là, on remonte en chandelle. On contrôle. Et là, vite, je vais ramener mes pieds et faire un saut. Voilà. Donc ça, ce petit enchaînement-là, il est pas mal pour travailler plein de choses. Le gainage, la souplesse, les abdos pour remonter. Alors, on va faire un petit peu de gainage pour travailler, échauffer le cardio. Regardez, vous faites vraiment que je trouve cet élastique. Vous mettez en gainage, vous allez amener en sautant vos pieds vers votre main droite, les deux en même temps. Vous revenez en gainage et vous faites la même chose de l'autre côté. Et vous revenez là. Quand vous revenez, il ne faut pas que ça se baisse comme ça. Hein. Bien rentrer le ventre. 1, 2, 3. Vous commencez. On y va. Hop. Plus on est fort, plus on met du rythme. Et celui-là, on s'échauffe pour faire un petit enchaînement après. Hein. Et on respire bien. Ok, hop, on arrête, 10 pompes à genoux, on échauffe les bras, allez, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, ok. Travailler le cardio. Donc on va déjà faire 10 jumping jacks. Je vous l'explique une fois. Donc là vous pouvez vous reposer 2 secondes. Vous regardez. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on met les bras avec. Hop. D'accord. On compte jusqu'à 10. À 10 ici, on s'arrête. On va faire ce qu'on appelle un grand saut, un air jack. C'est-à-dire qu'on écarte les jambes en l'air. Là, hop. Ok. Et au moment où on atterrit, on va cesser d'atterrir au sol. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous allez venir vous mettre en gainage en sautant. Et faire ce qu'on vient de faire
il y a 2 secondes, là. Pareil, 10 fois. Là, hop. Vous mettez là et à partir de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte en faisant une petite perche, vite fait, un petit ATR. Pour ceux qui savent le faire, ils le font mieux. D'accord? Donc là, on remonte. Après, vous allez me faire 10 squats. Hop, des beaux squats ici. En essayant d'être rapide. Et le dernier, vous le redescendez. Et là, on va faire une petite figure, ce qu'on appelle un hélicoptère. Ce qui te plaît le mieux pour la mettre sur le côté. Moi, tu vois, j'arrive à la mettre à peu près tendue, là. Si toi, elle est un peu pliée, c'est pas très grave, hein. Donc, tu dois être en appui sur tes bras. Pour vraiment se mettre en appui sur les bras. Du coup, tu t'appuies sur tes bras. Regarde, je te le fais au ralenti. Il faut laisser ta jambe venir devant. Quand elle arrive, il faut que tu soulèves ta main, tu soulèves l'autre main, et tu vois, là, ma jambe, elle est là. Elle ne peut pas passer parce qu'il y a mon pied qui bloque, là. Donc, si je veux qu'elle passe, il faut que je m'appuie sur mes bras, que je saute pour la laisser passer. D'accord? Donc là, ça fait tac et tac. Et mon tapis qui me gênait un peu. C'est une petite figure d'hélicoptère, bon, j'appelle l'hélicoptère, mais... Ok, on y va, on le fait doucement. Allez, on commence par les 10 jumping jacks. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on fait un grand saut. Hop, et on va par terre. Voilà. Ensuite, on vient en gainage. Et on fait comme tout à l'heure, et on compte jusqu'à 10. 1, côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Là, on remonte en faisant un petit ATR. On vient faire ces 10 squats. Prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rapide, 8, 9, 10, je dis hop, au sol. Et là, c'est là qu'il va falloir que vous entraîniez un petit peu pour réussir cette figure là. On choisit sa jambe. Et là, hop. Donc là, si je le fais au ralenti, regardez, ma jambe elle arrive, ma main soulève. Tac. Ma jambe elle arrive vers le pied derrière et je saute. Et là, c'est fini. Et là, vous pouvez regarder. Top. 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saut. Hop. Ensuite, je me trompe, c'était quoi ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On remonte. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, plus bas, 8, 9, 10, au sol. On se prépare, hop, hélicoptère. Voilà.